Salut les maisonhommes, bienvenue dans la cuisine. On se retrouve aujourd'hui avec Fab. Salut les amis. Pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, recette terre et mer avec une association un peu déjantée, bœuf et huître. L'iode de l'huître va parfaitement relever et accompagner notre super bœuf charolais. Nouvelle recette égale nouvelle sélection de vin. Miguel, tu vas nous présenter ça à la cave. C'est parti. Les maisonhommes, j'espère que vous êtes prêts à déguster. Ce sont les trois vins qui nous ont inspirés pour créer la recette d'aujourd'hui. C'est parti. Deux de ces trois bouteilles viennent de Bordeaux. Donc je vais commencer par vous montrer la carte du Bordelais. Voilà, nous avons la Garonne, la Dordogne, Bordeaux et Libourne. Et c'est dans le Libournais qu'on retrouve le petit village de Montagne et le château Maison Blanche. Les piliers de Maison Blanche est le second vin du château Maison Blanche, majoritairement composé de Cabernet Franc avec une touche de Merlot. Le Libournais est connu pour l'hétérogénéité de ses sols. Donc je vais vous montrer la cartographie pédologique pour le rendre beaucoup plus simple. Oupa. En deux mots, ce sont des sols formés sur du calcaire à astéries. C'est un type de roche-mère calcaire un peu jaunâtre dans lequel on retrouve des fossiles. On retrouve une petite note de bois, mais vraiment délicate, bien fondue, sur une matrice prédominante de herbes séchées, feuilles séchées. En bouche, on a des tanins très soyeux, très bien travaillés, qui vont venir recouvrir un peu le palais. Une absence presque totale d'amertume, c'est exactement ce qu'on veut, parce que dans la recette, on va avoir de la betterave qui va venir apporter des amers un peu végétales, un très très joli vin. Les amis, pour le deuxième vin d'aujourd'hui, on reste dans le Bordelais. Proche de la commune de Bayon, à 30 km au nord de Bordeaux, en appellation Côte de Bourg, on retrouve ce château, pionnier de la biodynamie bordelaise. C'est même le père de Véronique, la vigneronne qui est aujourd'hui à la tête de l'exploitation, qui a écrit ce magnifique livre, 50 ans de pratique et d'enseignement de l'agriculture biodynamique. Un livre de référence pour toute personne qui s'intéresse à la biodynamie. Waouh! Alors on a une concentration, vraiment une maturité des raisins, mais c'est hallucinant. En bouche, on retrouve encore une fois cette belle concentration, un côté très puissant, avec un tanin très charnu. Une belle fraîcheur quand même, c'est vraiment un très bel équilibre, je vous le conseille fortement. Parlons maintenant de la troisième cuvée d'aujourd'hui. Cuvée éphémère du domaine de Bellevue. Un vigneron très talentueux derrière cette cuvée, il s'agit de Jérôme Bretaudeau. Il vinifie des raisins bio de Cabernet Franc provenant d'Anjou. Quoi dire de Cabernet Franc de la Loire? Des vins très digestes grâce à leurs acidités. Personnellement, j'aime beaucoup les tanins du Cabernet Franc sur le côté terreux de la betterave. Alors le nez, super joli, un très très beau parfum. On n'a pas envie de l'enlever du verre. On a le côté herbe séchée, mais aussi une pointe un peu florale. Une bouche très élégante, très digeste, très fraîche. Et les maisonhommes, on arrive à la fin de la dégustation. Je suis toujours ravi de partager cette passion pour le vin avec vous. Allez-y cuisiner avec Fab, on se voit tout à l'heure. Retour en cuisine, nous allons préparer la recette du tartare de bœuf à l'huître. Nous allons ouvrir les huîtres. L'huître se place naturellement dans votre main, toujours sur le troisième doigt. On vient placer donc notre couteau, on fait levier et on vient couper le muscle, ce qu'on appelle la noix. Retirer la première eau, les décoller de leur coquille, puis les tailler en dés et réserver au frais. Nous allons mettre à tremper les coquilles qui serviront de support. Nous allons ciseler une échalote. Cette échalote va venir condimenter nos huîtres que nous avons réservées au frais. Maintenant, nous allons hacher nos capres. Voici la taille d'un joli capron. Alors, nous allons maintenant ciseler 6 boulettes et cerfeuil à l'aide d'un couteau bien affûté. Moi, pour l'astuce, le cerfeuil, je fais un petit bouquet avec pour pouvoir le ciseler plus facilement et éviter de l'écraser et de perdre tout son jus. Dernier ingrédient qui va accentuer le côté terre et mer, la betterave. La betterave va amener dans notre recette le côté sucré, croquant et légèrement terreux. Avant-dernière étape de notre recette, le découpage de notre viande de bœuf charolaise. Alors ici, les amis, je vous mens pas, le boucher m'a pas menti et a été très cool avec moi. Regardez-moi cette belle viande. Oh, c'est persillé à souhait, on est sur une race à viande française. Allez, on découpe ça de suite. C'est le moment d'additionner la viande à notre préparation. Dernière ligne droite de notre recette, l'assaisonnement. Moutarde. Liaison avec le jaune d'œuf, ça, Worcestershire sauce, sauce anglaise, excusez-moi, poivre. Pour présentation, je vous propose les coquilles d'huîtres que nous avons gardées qui vont nous servir de récipient, déposées sur du gros sel pour leur tenue et un petit peu de végétal pour la décoration. Notre ami Miguel est revenu avec les bouteilles de vin.
que nous a présenté. Chef, ça a l'air super bon ça. Ouais. C'est beau. Ça te plaît? Regarde-moi ce dressage. Ah bah écoute. C'est un truc de fou. Je suis content que ça te plaise. Parce que je peux goûter, oui. Mais bien sûr. Ça marche. On a fait quelque chose de très simple, encore une fois, avec un petit twist, et qui va se marier super bien, encore une fois, avec ce que tu nous présentes. Les amis, bon appétit. Ça, c'est Maison Lomi. Gastronomie à la maison.